Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo en PVP stuff avec notre ami Escanor Ultimate. J'ai envie de me faire plaisir parce que en ce moment c'est vrai que c'est quand même difficile je trouve en termes de contenu etc. Hier j'ai pas sorti de vidéo d'ailleurs parce que vraiment j'ai rien à proposer. Donc si vous avez des idées en commentaire, let's go, on va essayer de faire des trucs marrants cette semaine. Donc là, pardon, Escanor Ultimate, mon bébé, on va le rejouer avec une team qui est vraiment atypique, roi démon élevé, etc. Histoire d'avoir beaucoup de CP, mettre des anti-soins, etc. Enfin, c'est cancer, quoi, hein, tout simplement, vous connaissez les bails. En ce moment, comme j'ai dit, non, je crois que je l'ai pas joué au début de la vidéo, mais en gros, en ce moment, je suis en train de tryhard le mode de jeu. Ce mode de jeu, tu sais, le mode de jeu PVP KO pour avoir les 100 gemmes. Je suis top 52 actuellement, bon, mon taux de victoire qui est totalement abusé. Bon, le mode de jeu, je pense que je ferai une vidéo où je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis, mais c'est un mode de jeu dans l'ensemble, je suis pas... C'est quoi, j'ai pas en parlant cette vidéo. Je fais une vidéo à part, dites-moi les gars si vous êtes chaud. Mais ouais, on est parti, donc attaque DCC sur Escanor Ultimate. HP dev sur tout le monde du coup, sauf Escanor Ultimate. Il est en attaque DCC, et ça les gars, c'est le gros problème d'Escanor. C'est que si tu comptes le jouer quelque part, donc en PVP stuff par exemple, tu dois le jouer en attaque DCC, tu peux pas le jouer en HP def. Tu perds trop de dégâts, c'est abusé. Et ça c'est le gros défaut du perso. Moi c'est pour ça que ce perso en vrai, je trouve que c'est compliqué de le ramener actuellement, c'est trop compliqué. Alors là par contre, le mec joue une team, ok c'est un bot. Donc on va faire anti-soin, on va réduire rescrit def crit. En fait, il y a le rebond sur tout le monde. Bon, là, malheureusement, je fight un mec avec des réductions de partout. Je connais les bails, hein, je vais pas te faire un dessin. Mais Escanor, en vrai, bon, bah, regardez les dégâts du perso. Avec le roi démon. Vu qu'on réduit rescrit et defcrit de 40%, bah, tu crit garantie, en fait. C'est pour ça que j'ai ramené notre ami Escanor dans la team. Bon, le mec, je lui ai mis 200 000, wow. Parce que je lui ai mis dans la bouche. Donc là, ça change rien parce que, admettons, il y avait Kuzak en mode Myron, Kuzak moins de dégâts. Bah non, en fait, Escanor, on peut pas réduire ses stats en dessous des stats qu'il a au début de la game. Donc là, Kuzak servait à rien contre moi. Bah tue-moi, frérot, hein, vraiment. Hein. Et en gros, je joue une team. Pardon, les gars, je suis en bord en même temps. Je joue une team T1. T1, je one-shot un mec, voire deux mecs, tout dépend. Puis voilà, GG, on est là. Bon, il y a l'anti-soin. Et l'anti-soin. Bon, je pourrais mettre deux boules, mais tu sais quoi, je vais tester le doigt. En vrai, non, Escanor. En fait, le truc, c'est que Escanor Ultimate, beaucoup de gens l'oublient. Mais c'est toujours un très bon perso, hein. Clairement, il est toujours broken. Mais je le redis. C'est que en PVP stuff, tu dois jouer en attaque DCC. Et malheureusement, on est dans une méta en PVP stuff où le HP def est juste totalement broken en fait. Et c'est une réalité. Malheureusement, c'est le perso qui veut ça. Enfin, la méta, pardon, pas le perso, mais le perso qui doit être joué en attaque DCC, ça c'est Escanor Ultimate, malheureusement. C'est son gros défaut. Alors là, par contre, on va quand même mettre un gros doigt dans ça. Bip. Là, j'augmente sa def crit avec son passif, hein, vous connaissez. Mais bon, je vais faire mal vu que j'ai sa real link, etc. Vous connaissez. Wow, le perso, il est trop cheaté. En vrai, Escanor. Escanor, c'est trop cheaté. Genre, vraiment, Escanor, avec les bons persos à côté, c'est toujours le buff, en fait. Et ça, les gars, il faut pas l'oublier, c'est qu'Escanor sera toujours un personnage broken. D'ailleurs, regardez, les amis, il y avait Kuzak en sub, j'ai fait à peu près les mêmes dégâts qu'avant. Bon, il y avait pas... Il n'y avait pas Purga, mais bon, ça revient au même, quoi, j'ai envie de dire. Surtout qu'élevé tente très très bien. Je pense que le mec il joue en défrit vu les dégâts que je lui ai mis sur son Melio. Pour ça, j'ai que ça revient au même. Vu la CP aussi, c'est possible. Ok, intéressant. Bon, bah là, écoutez, les amis, on va faire quelque chose de marrant en fait. Ça, ouf, GG. Hop, réduction, défrit, rescrit de 40%. Son critage 24. Lui va se faire plaisir, vous connaissez. Voilà. Merci d'être passé mon enfant. On n'en parle plus. Oh c'est trop. Ouais c'est trop les gars. Oh c'est trop. Comment c'est débile. Baka Bakayashi. Alpha Boss s'occupe sur ma chaîne Twitch. Voilà les dégâts du roi démon avec deux démons du coup. Comptez, je le compte dedans bien évidemment.
66 000, pas mal, ouais. Enfin, le truc, c'est que le mec en face, il a pas qu'une menace. Il a trois menaces. T'as vraiment ma phrase, les gars, elle était légendaire. J'ai une phrase de film, en fait. Je te jure. Hollywood. T'as vrai, franchement, ça marche bien. Hein. Honnêtement, ça marche très bien, même. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, tu vois, je t'ai Escanor. En vrai, ouais, le roi démon aussi, hein, les gars, on n'en parle pas assez, mais le personnage, c'est sûr, dans une team démon, il est over, opti, etc., c'est sa team, tu vois. Mais même hors team démon, le perso est juste débile, en fait, tu vois. Le perso est trop fort. Hein. Le perso est trop fort. Hein. Moi, je le kiffe, vraiment, je le kiffe. Ok, bot. Yep. Bon, bah, faire pareil que tout à l'heure. Hein. Tac, tac, tac. Vous connaissez les bails, on met la marque. Gros doigt dans sa... Pip. Oh, tu crit H24, hein. Tu crit H24, frérot. Limite, j'ai envie de me foutre en l'air quand je vois ça. Bon, oh, c'était une boutade, hein, YouTube, hein, calmez-vous. Oh là là. Mais quel perso broken. Mais roi démon, son AOE, mon pote. Je l'ai dit, day one. Why? Pourquoi ils ont fait ça, mon ref? C'est totalement débile, en fait. Bah, tue-moi, en vrai, hein. Ça aussi, c'est pareil, Escanor, hein. Escanor, on est en mode... Putain, il va me tuer, c'est chiant, parce que la plupart des persos, tu meurs, t'es vraiment mort, en fait. Escanor, tu meurs, t'es en mode... Ah ouais, c'est vrai que... Il y a les flammes. C'est un bon petit perso, ça. Ah, c'est grave, hein. Vraiment, ce perso est... Est totalement cassé. Hop, AOE, pour mettre l'anti-soin... AOE d'Escanor parce qu'on a plus de vie. J'aurais pu mettre 2 AOE encore une fois. Hein. Mais je vais faire mettre le doigt. Voilà, 2 AOE ça tue aussi. Hein, mais je vais tester le doigt son HP en fait. Bon, damage cap, mais bon, on fait pas de dégâts aussi, hein, forcément. Bref, c'est marrant. Escanor Ultimate. Ah là là, quel combo marrant en vrai quand même. Hein. En vrai, je m'amuse, hein, vraiment. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé en PVP parce que d'habitude. En vrai, en PVP classique, en ce moment, je trouve, c'est compliqué de s'amuser parce que t'as beaucoup de gens qui jouent des teams à base de, bah forcément, Roi Démon, mais Item Evoche, Chandler, etc. Vas-y, frère, t'as pas de fun. Vraiment, moi, honnêtement, je m'amuse pas trop avec cette méta un peu bizarre. Donc là, en vrai, ça va, j'ai envie de dire, en vrai, je m'amuse. Bon, toi, frérot, je vais t'envoyer sur Namek, en plus, j'ai 2 doigts. Bot, ok. Bon, bah, yo. Et voir le doigt, donc là il n'y a pas de damage cap en face, hein, vu qu'il n'y a pas de Jan. Le doigt, hop. Ouais, tu fais 160 000. En vrai, tu vois quand même que le perso galère. En vrai, faut dire des termes. Hein. Mais honnêtement, ça va. Hein. Ça va, ça va. Ça va. Après, il y a beaucoup de stats hein, en face. Il y avait Nanashi. Il n'y avait pas encore le passif de Nanashi, mais il y avait le bonus de stats. Hein. Tu sais, il n'y avait pas les bonus là, les bonus bleus là. Plus la relique de frère, donc en termes de stats, je pense que t'es vraiment pas mal. Ok. Ah, tuez-moi, les gars! Tuez-moi, en fait! Limite, c'est même meilleur! Ken-moi, mon ref! J'attends que... Ouais, c'est un peu bizarre, ce que je veux dire. Donc là, on va faire un truc tout simple. On a une AOE, pardon, du Roi Démon. Donc on va faire AOE Roi Démon pour être du Restrict Defrit. Ok, vous connaissez les bails. Et double AOE d'Escanor, en fait. Il est mort. Maintenant, c'est Dieu Escanor, hein, parce que quand il est mort, le perso est totalement pété. Et maintenant, GG à vous, en fait, les amis. Voilà. Ça dégage, en fait. Il faut pas tuer mon ami Escanor. Ne tuez pas Escanor, en fait. S'il vous plaît. C'est mon bébé. J'ai toujours dit, c'est mon bébé. Je lui fais un gosse, Escanor, en fait. Quoi? En vrai, c'est... Ah là là là, Escanor. Putain, il est incroyable, ce perso. Ah là 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 là, Escanor, Escanor. Kiffe tellement ce perso, ouais. Ah la petite monster, les gars, en même temps, Drake, la vidéo. Ma ma ma, désolé pour le bruit d'ailleurs, encore une fois. Ok, Starosa, j'ai vu la relique. Pas droit démon. Intéressant. Hmm. Ok. Bon, je sais pas si on va tuer son pur gars. Hein. Bot ou vrai joueur. Oh. Item Void, du coup, mon ami. Ok. Intéressant, là, ce que tu proposes. J'aime beaucoup. Item Void, on le connaît. Hein. Ah non, what? Comment ça, mon bœuf? D'accord.
Oh les Wadoud! Oh là 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 là, bon, un HP normalement? Ah non, ok. Bon bah écoutez. Oh là 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 là! Totalement broken ce perso! Oh, j'ai encore un gros doigt là! Mamma mia! Eh ben, il trush le perso? Il veut le trush mon perso, toi il va faire quoi? Quoi? Oh, comment il doit avoir le seum? Après, le seum, ouais, non. Parce que là, en vrai, je suis pas non plus bien, j'ai envie de dire. Hein. Après, il a pas augmenté mes stats. En vrai, je sais pas qui fait plus de dégâts entre élevé et. Vas-y, go. Allez, Scanner, c'est le moment de briller, mon ref. C'est le moment de mettre un gros doigt dans une. Boum boum boum. En vrai, Scanner, tu tues, non? Après, t'es midlife, frérot, donc bon. Allez, ça dégage, en fait. Ça dégage. Escanor, mon baby. Frérot, laisse tranquille Escanor, en fait. Bon, après, Melopur, après, sa team, frérot. C'est la team de l'époque, Melopur Gat, tu vois. À la place de Zel, maintenant, c'est Roi Démon, mais bon, la team est toujours broken, en fait, hein. Zel Nebula est toujours broken dans la méta, c'est un fait. Ça sera toujours le cas. Vous connaissez les bails, les amis. Ok, bah écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchuss.